Bonjour, aujourd'hui c'est Tarte Tatin avec Alice Délice. Et voici la liste des ingrédients et ustensiles dont vous aurez besoin. N'hésitez pas à faire une capture d'écran. Dans votre moule compatible cuisson et four, mettez votre beurre à fondre sur feu doux. Une fois le beurre fondu, ajoutez votre sucre et mélangez bien pour bien l'incorporer au beurre et laissez caraméliser toujours sur feu doux pendant une dizaine de minutes. Pendant ce temps, préparez les pommes. Comptez une quinzaine de petites pommes ou 11 grosses pommes. Ici, j'ai choisi la pomme golden qui se tient très bien à la cuisson. Vous pouvez également prendre une rainette ou une boscope. Dans un premier temps, évidez toutes vos pommes grâce au vide-pomme. Notre vide-pomme Alice Délice a un diamètre de 2 cm, ce qui lui permet de retirer uniquement le trognon de la pomme. Une fois vos pommes évidées, passez à l'épluchage. Coupez ensuite toutes vos pommes en deux et réservez-les dans un plat. Il est temps de récupérer notre moule dans lequel le caramel s'est formé et d'y mettre les pommes sur la tranche. Notre moule baume alu possède un diamètre de 24 cm mais surtout une hauteur de 7 cm, ce qui permet de pouvoir placer les pommes sur la hauteur et d'avoir une tarte tatin très fondante. Il a l'avantage d'être compatible sur tous les feux et de pouvoir passer de votre plaque de cuisson au four et possède un revêtement anti-adhésif qui facilitera le démoulage. Il est important, comme vous le voyez, de bien serrer vos pommes. Et vous pouvez à cette étape ajouter l'épice de votre choix. Ici, j'ai choisi de la cannelle, mais vous pouvez tout à fait mettre de la vanille. Et c'est parti pour 25 minutes de cuisson à feu doux. Pendant ce temps-là, occupons-nous de notre pâte feuilletée que nous allons abaisser sur un tapis fariné afin que ça ne colle pas. À l'aide d'un rouleau, abaissez votre pâte sur 3 mm environ. N'hésitez pas à bien tourner votre pâte afin de vérifier qu'elle ne colle pas. Une fois les 25 minutes passées, disposez votre pâte feuilletée sur les pommes et repliez bien les bords vers l'intérieur. Il est important de bien appuyer à cette étape, car c'est la pâte qui fera votre socle. Et n'oubliez pas de piquer votre pâte afin qu'elle ne gonfle pas trop. Et ça part en cuisson une heure dans un four préchauffé à 170 degrés. Après une heure, la pâte feuilletée aura bien doré et les pommes seront bien fondantes. Il est préférable d'attendre 5 minutes avant de démouler afin que tout reste bien en place. La tarte tatin se mange tiède et peut être accompagnée d'une boule de glace vanille ou encore d'un peu de crème fraîche. Et vous pouvez également la décliner dans des versions salées comme à l'échalote, à la tomate et également avec d'autres fruits comme avec des abricots par exemple. Et maintenant, servons-nous une bonne part de tarte tatin et je vous souhaite un bon appétit.